tout poutré, tout poutré. Alors, j'espère que vous allez bien, c'est Toyo. Donc, on repart pour un nouveau live sur Assassin's Creed Black Flag avec notre pirate tante aimée et tante adorée de tonton. Bref. Bonjour, ah, c'était dans tout état. Bonjour, Capitaine Price, comment allez-vous? Si à cette île tout est temps me dire comment allez-vous, je vais très bien, merci. Alors je vais attendre un tout petit peu. Ça va bien, merci. Alors, vous ne pouvez pas lâcher la barre en mer forte, d'accord. Voilà, fermez-la, merci. Donc on se retrouve donc pour un nouveau live sur AC4. Oui, exactement. Salut tout le monde, comment allez-vous, la team QA? Ça va, Loulou, et toi? En tout cas, ça fait plaisir de voir Captain ainsi que Loulou dans le chat. Captain a loupé beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas si elle a rattrapé un peu son retard, Captain. Entre temps, bon, après, pas grave. Mais je ne peux toujours pas lâcher la barre. On peut pas toujours lâcher des barres quand on veut. Hein. Bien, merci. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on avait découvert les zones ici. Navaza moyen, on l'avait fait. Cruz moyen, on l'avait fait. Castillo, des Jaguars et Contourior moyen, on l'avait fait au également. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va finir cette zone là, par exemple. C'est quoi qui me restait là? Là il me restait un contrat d'assassinat à faire par MC. Et qu'est-ce qui me manquait ici? Ben, la taverne apparemment. Alors, la taverne qui ne s'affiche toujours pas, hein, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je ne suis pas expert dans la connerie du développage. Oui, rattrapage effectué, chargement, veuillez patienter. Donc du coup, après il me restait aussi un contrat naval à faire ici, d'après le jeu. Moi en off, ce que j'ai fait, parce que j'ai fait du off, donc je suis allé chercher les cartes au trésor que j'avais récupérées. Alors, pendant que je vous explique tout cela, nous allons partir, où est-ce que c'est qu'il y a le bordel là? Ici, pour faire le contrat naval. Donc j'ai trouvé toutes les cartes au trésor que j'avais à ma possession. Il y en a une que je peux pas trouver parce qu'il faut que j'avance dans l'histoire. Donc je le ferai en off. Tout ce qui est bataille navale de la flotte de Kenway, je la ferai en off aussi parce que c'est barbant. Après, dites-moi le dans les messages, là, hein, si vous voulez que je vous montre ou quoi. Mais je l'ai déjà montré, donc si vous voulez voir, dites-moi le et je vous le montrerai, pas de souci. Mais c'est vraiment long et barbant et c'est très 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 répétitif. Alors par contre, avant de commencer, on va s'acheter du matériel, tu sais, histoire de bien faire la guerre à tout le monde. Donc ça, c'est plein, c'est plein, ah, c'est plein. Alors... Donc j'ai trouvé aussi, comment ça s'appelle? Ah bah tiens, je suis au bon endroit. En trouvant une carte au trésor, ça j'ai vu. En trouvant la dernière carte au trésor qui contenait un plan, donc j'ai pu, je peux plutôt faire l'entreposage de boulets explosifs. Je peux le faire maintenant, mais j'ai attendu d'être en live pour le faire avec vous. Voilà, tac, ça c'est fait. Entreposage, c'est cool. Et j'ai chassé aussi un petit peu. Hein. On va mettre la pause tout de suite. Fabrication. Alors, je sais pas si je les ai installés. Je crois pas, non. Ah non, 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 j'ai dit des conneries. Je me mélange, j'ai pas chassé. Donc, on va aller faire le contrat d'assassinat. Hein, bien sûr, si il est disponible. Et le jeu me l'affiche toujours pas. T'entends? Le jeu me l'affiche toujours pas, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Le jeu est constipé. Attends. Ou peut-être que... Il faut que j'avance dans l'histoire. Ah bon? Bug? Non, non, je pense qu'il faut que j'avance dans l'histoire parce que... Regardez. Il me reste un contrat d'assassinat à faire. Mais il s'affiche pas. Il y est pas. Il y est nulle part. Regardez. Je vous remontre. Il y a la tête de mort nulle part. Il y a la taverne ici, mais bon... je reviendrai plus tard dessus. Salut tout le monde, les pubs sont faites, ça va? Moi ça va impeccable, merci Warlocks pour les pubs. Et toi comment vas-tu? Donc voilà, donc bon, je suis un peu bloqué, donc en fait le jeu m'indique qu'il faut que je continue l'histoire principale, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie.
Si tu fais pas l'annexe, un minimum d'annexes dans ce jeu, ben, je peux pas débloquer des plans, des tenues, des costumes. Et j'ai envie de vous proposer tout ça en live. C'est un jeu qui est énorme, tentant. Ça va, merci à vous. Caca toi-même. Donc j'ai envie de tout vous montrer, de tout vous proposer. Alors ici, voilà, on va se déplacer ici. Hein, je vais faire les contrats ici. Et là, ici, c'était quoi qui me manquait? La taverne. Donc on va aller là, hein, plutôt. Mais pour le dernier contrat d'assassinat de là où j'étais, je pense qu'il faut que j'avance encore dans l'histoire pour qu'il se débloque. Voilà tout, vous savez tout. Alors, qu'est-ce que t'as à me proposer le jeu? droit maritime. Alors, salutations au corsaire, un ignoble capitaine espagnol a ôté la vie de la manière la plus cruelle qui soit à un certain nombre de mes employés. Abordez son navire et faites-le passer de vie à trépas afin que cessent ses méfaits. Signé Milo van der Graaf, honnête marchand et ami. Accepté. Donc j'espère que vous êtes prêts ou prêtes, t'entends? Envoyez toute la toile, en route! Envoyez toute la toile! Le russe est de retour, le russe est toujours parmi nous. Alors c'est où? Ah, c'est là-bas. Allez, envoyez le lourd! Je veux pas que mes mecs ils chantent, je veux la zik. Voilà. Il y a toujours un russe quelque part. Bah ouais, c'est la base. Ou sinon, si vous voulez, je peux vous faire la justice. par contre, où est-ce que je vais? Ah, ça va. J'ai cru que j'allais vers des rochers ou vers une paroi rocheuse ou voilà quoi. Alors en gros le jeu me dit d'aller là ou derrière. Je pense que c'est plus derrière, non? C'est là. Non, c'est là. C'est la Maximo, du butin à remonter, ici. Ici. On approche du Alors, but. apparemment le jeu me dit d'aller là. D'accord. Il y a des bateaux qui spawnent, hein, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est très très bien joué, bien utilisé de la part du jeu. Il faut tous les couler. Ok. On va l'avoir cette fois! Toute la toile, il peut supporter! On est Allez, c'est parti Captain. Pour le bordel! Tu es là, Captain? Oh, Capitaine, le tout est placé à cet endroit! On attend les ordres! Mais... Allez, coulez, j'ai pas le temps pour vous! C'était très compliqué sur 20. Toucher, couler, le retour! Alors récupérer, bah ça on s'en fout, sauver, ça c'est intéressant, ça on s'en fout, mais on récupère quand même parce que on est un radin, on récupère tout, hein, on tape partout. Il a dit, c'est la base avec un accent appuyé. Ah ouais, voilà, d'accord. Yo! Bim! J'ai pas le temps. Voilà. Alors, c'est fini. C'était très compliqué sur... Alors, je vais essayer d'aller très vite pour faire l'annexe, vu que l'annexe est très long. Quoique, je vais quand même assez vite à la base, hein, parce qu'on a déjà fait la moitié de la map maritime. On a déjà fait tous les secteurs en facile et moyen. Et là, il me reste les secteurs en difficile. Voilà, donc c'était très compliqué sur 20. Droit maritime, mission accomplie, 100% synchro mémoire. Allez, maintenant on va retourner, c'est fini, mais... Je suis désolé. Et moi, quand pour avoir le temps... Alors il me reste encore un contrat. Ouais, je peux aller le faire, il s'affiche. Le jeu ne me troll pas. Ça, c'est une bonne idée, MDR. Ah, lâchez la barre, mais ne vous tapez pas des barres.
Du coup, ah, c'est comme pisse, hein, mais pas sur moi, voilà. Hein. Alors, les réalités de la guerre. Acceptez contrat. Salutations, corsaire. Je ne suis certes qu'un simple marchand, mais il arrive parfois que les marchands doivent faire la guerre. J'ai fait appel au service de divers corsaires afin de couler une flotte de prétendus marchands espagnols, qui sont en réalité des pirates. Je n'ai nul à vous. L'affrontement promet d'être mémorable. Signaux, Milo van der Graaf, honnête marchand et ami. Acceptez. Voilà. À la guerre comme à la guerre, ouais, c'est ça. Je suis vraiment taré quand je m'écoute faire. Alors, d'après le jeu, c'est là-bas où il faut aller. Et la bataille promet d'être... est-ce que c'est... Non, ça c'est les alliés. Ok, j'allais buter les alliés, tout va bien. Hein. J'allais sortir le mortier et bim! Bref, on va se calmer. Alors, couler les convois espagnols. C'est bizarre que ce soit un marchand qui te donne les contrats. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment marchand ou... Je sais que c'est un bon navire. Alors prouvez-le-moi. Ouais, prouvez-le-moi. J'ai dit bim! Alors, sur bâbord. Voilà, tiens. Voilà, très mémorable. On attend le signal, sir. Coulez! Regardez, on peut l'aborder, il prompte. J'ai dit bim. Ah! Il faut le couler, d'accord. On va les toucher. Bim! Tu mets des piles. Allez, j'ai pas le temps. A catch cool. Et poussez-vous les alliés. Voilà, coulé. On les a coulés le jeu. Ah, y en a. Ma mouline rentre en scène. Ah, et comme par hasard, il y a la tempête, voilà, donc c'est ça qui est censé être mémorable, t'entends? Alors, est-ce qu'ils sont trop loin, en fait, là? Comment ça se passe chez eux? Vos envies prennent vie, du côté de chez vous? Pam, 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 bim! Coulez! Ah, toi, avoir beaucoup de vie! Alors, attends, ne bougez pas, voilà. Regarde, c'est gratuit. Oh, il va m'éperonner. Il m'a éperonné. Et voilà, tu veux des piles ou quoi? Manowar! Alors, est-ce qu'il y a encore des navires? Ouais, il y a encore un navire là-bas au fond qui fait le mariole là-bas. Qu'est-ce qu'il a de... Ouais, 55 de métal. C'est lui! Faut pas laisser passer l'occasion! Accélérate sur bâbord! Non, des rames! Qu'est-ce que vous dites? Il reste que des planches! Il reste... Oh non, accélérate! Oh, chute-le! Ah, tourne! L'ennemi fait feu! Poussez! Oh non! Voilà, va accélérate. Les mines vont l'empêcher de nous éprôner. Plus de vagues accélérate, ok. Voilà, touché. Qu'est-ce que t'as d'intéressant? Ouais. Okay. Allez, tu dégages. Pas des piles, des rames. Mais qu'est-ce que vous dites? Merci pour ton métal, ton sucre. Et lui, il a quoi? Bois, nanani, nanana. Faut que je le coule, hein, il y a écrit. Donc bon, je sais pas si je l'aborde. Sur le Coran, vive Odyssée. Certes, écoutez, comment allez-vous, monsieur Ops? Sur le Coran. Là, capitaine, c'est là qu'il faut viser. On attend le signal, sir. Est-ce que c'est fini? Ouais, c'est fini. C'était un combat inoubliable, d'après le jeu. Voilà, 100% mémoire synchronisée, c'était pas compliqué, tu veux des piles, voilà, blablabla, blablabla.
manoir inutile. Ah ouais, par contre, ce que j'ai fait, c'est... j'ai cheaté ma flotte, en fait, en gros, hein. Mais je vous montrerai ça après, parce que là, je peux pas me marrer, hein, ou lâcher l'ancre, comme vous voulez. Du coup, maintenant que nous avons fait ça... Ah bon ? m'en parlez pas, lever à 7h30, coucher 5 minutes et réveil à 12h20. Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as raison. Vive Cassandra ! MDR, bon matin, Kéops. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ah là là. Alors, on va faire toutes ces zones difficiles. C'est les dernières zones là qui me restent à faire. On ira chasser. Ah, attendez. Les polars, est-ce qu'il faut pas que je le chasse ? On va regarder aussi qu'est-ce qu'il faut que je chasse exactement. Le requin, ça c'est sûr. Le requin blanc, c'est une certitude. Il me faudrait de la baleine blanche. Mais le jeu, depuis quelque temps, il veut pas me mettre la baleine blanche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se TP. Est-ce que je peux me TP là ? Non, je peux pas me TP. Là, je peux. Là, oui. Là, là, ouais, je peux me TP. Allez, on va se TP là. Non, j'aurais pas dû me coucher 5 minutes. Ah, écoutez, 5 minutes, le midi, enfin, il y a un truc qui va pas. Vous êtes sûr que c'est 5 minutes ? Salut, Ops ! Alors, du coup, je vais mettre un marqueur vers lui, parce que c'est lui la cible. Non, pas le coffre, c'est après. Vers lui, bonsoir ! Tout en étant distingué. Bref, tu veux des piles ? Listen to me, I see you a son of the fish in the sea, and it's windy weather, boys, stormy weather. Et les mecs ils chantent, hein, ils vont se bourriner un fort à eux, mais ils sont contents. Dès qu'on aura fini le phare, le fort là-bas, là, parce que c'est cette chose, le fort, je vous montrerai ce que j'ai fait à la flotte de Kenway. J'ai que des manoirs, voilà. J'ai que des manoirs. Et pour les grosses missions, c'est vraiment intéressant. C'est parfait. Parce qu'après, au fur et à mesure que tu avances dans la flotte, les missions, elles demandent d'avoir beaucoup de place dans la cale. Balance ton port. Hashtag balance ton port. J'ai loupé quelque chose. On va mettre l'allure de croisière, hein, parce que sinon demain matin on y est encore, je sens. Bois plein, tu as loupé Jennifer. Yennefer ou Jennifer ? Ah, il te faut plus de manoir avec une cale de 80. Ben, j'en ai 2-3 là, avec une cale de 80. Jeu de mots, tombe ballot. Quelle tristesse. Qu'est-ce que c'est ce bateau? Ouais, j'ai Warlocks, j'ai 2-3 bateaux là, avec une cale de 80, je pense que ça peut le faire. Bon, après, faut garder un minimum. Jennifer, loupé, Lopez. Oh non! Wow. Ouais, mais tu vas plus avancer dans le jeu. Va t'en demander, je crois. Hein, j'arrivais pas à dire. Là. Toi, là-bas, tu te calmes hein, avec tes mortiers, soi-disant. Hein. Tiens, regarde, moi aussi, j'ai des mortiers. Voilà. Bim! Oh no! Alors, il va me faire casse-bonbon, lui. Moi aussi, je fais feu sur eux! Oh! Vite! Ah, ça passe. Alors! Tu fais pas bobo, hein, pour un fort de niveau difficile. Je te mets un vent. J'assume mes jeux de mots pourris. Ah, le plus important, c'est d'assumer. Alors, là, vous voyez, bien sûr, avec les mortiers. Vous pouvez admirer. Il est où, le DRS? Voilà son point faible, sœur. Regarde, je te mets un vent, un double vent.
Alors, on va rebalancer un mortier. Toi, apparemment, tu es toujours en vie. Capitaine, le coup qui est placé à cet endroit. Voilà. Ensuite. Sur ton ordre, voilà. Alors. On fait toujours le mariole. Tiens, bim. Comme la tulipe. Vent, vent la tulipe. Faudrait que je me rapproche de lui pour voir un peu où est-ce que ça se place. Alors, le monsieur, voilà, t'as fini de tirer partout, c'est cool. Je vais ralentir un peu là. Voilà. Ensuite, on va remettre un peu de puissance. Voilà, hein, pour esquiver le mortier dans un premier temps. Voilà. Ouais, il me touche un peu, mais c'est pas grave. Monsieur, vous voyez pas que fan 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 MDR fan fan ya ya. Alors, monsieur le bateau, que veux-tu? Tu veux des piles? Ah, il a beaucoup de vie ce brick. D'accord. Alors, c'est un sac à PV, pas de soucis. Écoutez, chacun son but. Hein. Allez, dégage, pas le temps. MDR. Alors apparemment il va encore me péronner. Je vais t'aborder, tiens. Viens ici. Je vais récupérer de la vie. Enfin quelqu'un qui a compris. Je vais désespérer. Vous êtes une désespératos wise? Non. Bref. Alors, on va utiliser le gros canon, le gros calibre, la troisième jambe. Ah bon? Bim. MDR, bah ça date aussi. Dégage. Ouais, ouais, capitaine, abandonné. Allez, on va les brûler. Je veux une cigarette. Merde. Eh, dites que je suis bien aussi. Mon dieu. Alors. Bon, on a récupéré du bois. Bah, j'aurais préféré avoir du métal en fait, hein, mais bon. Le métal, je suis. Le bois, je suis full en fait. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Ouais, du coup. Lui là-bas, ça a rien que j'aille le. Attends. Ouais, il a 25 de métal. Ouais. Parce que si je mets pause là et que je regarde. Ouais, même le métal, hein, je suis presque full avec le métal, donc ça sert pas à grand chose. Gérard Philippe, Fanfan, la tulipe, on collait, oui! Elle est là. Moi je connais le Fanfan Ya de Zelda, hein, de Link, de Wind Waker. Fanfan Ya, Ya! Alors! YOLO! Allez, on va rentrer dans le Royal Rumble! Alors, je vais essayer de récupérer les collectables en même temps, histoire de faire d'une pierre deux coups et que je puisse m'attaquer derrière au contrat naval. Bref. MDR, mais non, Kéops! Mais non, lol! Sinon, Loulou et moi, on est les ancêtres! C'est clair. Alors! Du coup. Hello, my tatman! Hey, Paquito! Meurs! J'ai dit meurs! Allez! Tiens, dégage! MDR 3! Oh, Tonio, comment ça... Comment ça, c'est clair? Excellent! Alors... Oh non,
qu'est-ce qui se passe? Je brûle! Enfoiré de jeu. Alors, je voudrais récupérer les collectables, non? C'est pas possible? Oh, c'est pas possible. Alors tant pis! GG. Où il est? Si je passe par là, je crame, hein? Ah non. Eh, mais les mecs, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, les mecs. Attendez, j'arrive. Ne bougez pas, bande de chiens. Oui, tire-moi dessus. Alors, t'es où, toi? Il est où? Il est parti. Il a fait la gueule, voilà. Il est parti. Bim, coup de pied. Tu dégages. Alors apparemment les coffres, ils sont à l'intérieur, donc c'est après. Moi tranquille, je prends mon temps, je marche à côté des ennemis, je m'en fous. Vas-y, YOLO. Accroche-toi. Regarde, je te bousille la gueule. Mais non, pas lui. Voilà, lui. Oh, bim, tu dégages. Alors, est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Et oui, le retour de Capitaine Sonawak. Et c'est hashtag Captain qui fait des hashtags. Tonio, tu m'as tué. Pourquoi il est... Pourquoi? Et eu le retour de même pas en rêve. Merci. Hop. Alors surtout respect pour les ancêtres. Alors grimpe, fais quelque chose, Edouard. Il veut pas grimper. Constipé les fesses, va. C'est vraiment un constipé, ce type. Et poussez-vous. J'ai dit poussez-vous. Alors. C'est là-haut. Je sais pas si vous voyez grand-chose, vous, hein, dans le chat. Dites-moi-le. Parce que moi, c'est un peu limite, là, pour moi, hein, honnêtement. Ouvrir la porte. Je vérifiais que le coffre était pas à côté, en fait, hein, tout simplement. Tout bêtement. Salut, je veux juste prendre ton fort, tu veux pas des gifles? Si, vous voulez une gifle. Voilà, nous avons pris un fort de niveau difficile. Enfin, moi je l'ai pas trouvé extrêmement difficile ce fort, mais bon. Du coup, donc ça m'a éclairci la zone, comme quoi elle est libérée, délivrée. Par contre, il y a un truc qui m'énerve au plus haut point. On peut tibag les bateaux. Ah, ça c'est une bonne idée, mais c'est pas faisable malheureusement. On va re-remplir au niveau des mortiers. Ça c'est pas nécessaire, c'est plein. Ça non plus. Vendre. Est-ce que je peux vendre des trucs? Ouais, y a pas beaucoup à vendre, c'est pas intéressant! Bah, qu'est-ce que t'es mêlé, toi? Non, mais tu vas rester tranquille, là! Alors! Ouais, c'est par là comme ça. Ok. Pas besoin, mon navire est suffisamment puissant, t'entends. Voilà, je voulais récupérer les coffres, le jeu m'a mis en bas, donc bon, je trouve ça un peu stupide! Stupide, oui, j'ai dit stupide! Allez, c'est des grandes. Hein, grimpe. Tu peux grimper, hein. Alors, c'est où ces conneries, là? Monsieur Chad, vous êtes plein de conneries. C'est pas moi, c'est le bateau. La tempête, tu peux te calmer, hein, ça y est, j'ai récupéré la zone. Tu sers plus à rien.
Alors, est-ce que... Ah oui, je voulais aller aussi à Gretinagua pour... eh ben ils sont là. Gretinagua pour améliorer le domaine de Edward. Ainsi que le domaine des pirates. Vu qu'on est plutôt riche dans le jeu... Mauvaise idée. Le suicide n'est pas admis. Vas-y, allez, fais pas de suicide. Voilà, hein. Là aussi, hein, vas-y, fais pas de suicide, hein. Là aussi, vas-y, tu peux le faire. Je fais des sauts du futur. Le saut du futur. Alors, contrebande. Ok, contrebande, qu'est-ce que ça dit? Salutations corsaires, il est temps de mettre fin aux activités de ces contrebandiers espagnols. Ils prétendent naviguer aux ordres de la couronne d'Espagne, mais leurs divers navires transportent en réalité des marchandises d'une nature coquine, plus que pernicieuse. Mettrez-vous à en venir à bout, signé Milo van der Graaf. Honnêtement, j'ai fait refuser. Difficulté max. Ah bon? Oui. On craint des gains, ne vous inquiétez pas, allez l'OM. Oui. Non. Là, monsieur Hobbs vient de me faire le nom de Mario. Non. est-ce que je l'ai accepté au moins? Attends. Rassurez-moi, je vais accepter. Agence touriste, c'est vraiment... Ouais, je l'ai accepté, hein. Mais apparemment, il n'y a rien indiqué sur la map, alors on va le chercher, hein. Puisqu'apparemment, il fallait le chercher. Les frégates espagnoles... Les frégates espagnoles... Qu'est-ce que c'est, ça? Ok, d'accord. Ah bah, au hasard, alors, je parie. Encore une brique. Allez, capitaine, juste là. Ils nous ont eu, capitaine. Regarde, je te mets un bras. Alors, ensuite, ils me disent une frégate. Où est-ce qu'il y a une frégate dans le coin? Alors sûrement derrière, il doit en avoir une là-bas. Mais bon, petit dégât. Pas le temps. Et la tempête s'arrête jamais en fait. Ouais, mais je suis plein partout, je suis full. Ah bon? Et si je lui fonce dans les fesses, qu'est-ce qui se passe? On va les toucher! Il coule! Alors, d'après le jeu là-bas derrière, il y a reste peut-être que les une frégate, non? Brique? Non, c'est nul. Une frégate. Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être une épave qui n'en peut plus. Alors, apparemment, c'est un contrat naval très difficile. Recherchons la difficulté, j'ai envie de dire. Ouais, bon, là, je fais le mariole, mais quand je vais arriver au navire légendaire, ça va être la même. Une frégate, s'il vous plaît, le jeu. Ah, là, non. Brique! Ah bah il y a deux navires. Frégate. Ah bah voilà. Le mec il est content, il va partir. si tu peux te dépêcher le navire, ce serait plutôt cool. Alors. C'est lui, hein.
Ouais, c'est lui. Bon sang, c'est raté. Comment ça, c'est raté? Et les dégâts que je viens de lui faire, c'est quoi? Vous voulez finir à la fin? Ah, mais c'était pas le bon. On attend que l'ordre. Où est-ce qu'il est? C'est gratuit. Tu prends des hits. Ton point faible. C'est là qu'il faut tirer. Voilà, oh, capitaine. Loupé, monsieur le bateau. Ah, touché. Un tir bien ajusté lui fera traîner la patte. Quoi? Bondour. Alors, j'ai fini le truc. Contra naval, nanani, nanana, c'est cool. Parvenez à une synchronisation de 50%. Donc ouais, j'ai regardé avant de lancer la partie tout à l'heure, je suis bien à... J'étais à 49% et en faisant ces contrats navals, ça me fait monter à 50%. Allez, salut. Bon voyage à travers les eaux. Lui derrière, il fait trop le mariole. Alors attends, ne bouge pas. Voilà. Dégage. Ah, de la cible. Il a plutôt un navire lourd au niveau des points de vie. À ton signal, capitaine. Oh, voilà son point faible, sœur. Ah, il va essayer de m'éperonner. Toi, je vais t'aborder pour MDR Artonio. Vous avez vu les promos de janvier sur le Play Store MDR Artonio? Ouais, il y a des trucs intéressants. Alors moi, ce que j'ai fait là, il y a Plague Tale là, il a la démo de disponible. Alors je l'ai pris. Je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous en donner des nouvelles. Il y a quoi? Il y a Gride aussi. Il y a une non. Ouais, Gride, il a une démo aussi. Je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas encore testé. Mais au niveau des prix, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Pour certains jeux, par là. Après, bon, dans la moitié du catalogue qu'ils proposent, j'ai la moitié des jeux déjà, hein, bien sûr. C'est cool. C'est pas vraiment intéressant au final. Pour une personne qui a pas beaucoup de jeux, oui, c'est vraiment intéressant. Eh hey, oh, t'attaques pas par derrière, espèce de lâche. Merde. Bim! Dégage! Je suis occupé! Tu vois pas? Je suis occupé! Voilà, bon, on va réparer le navire, au moins ça s'est fait. Comment il est mort, l'allié? Il y a Metro Exodus aussi, ouais, il a 24 euros. Ouais, je sais plus, faut que je regarde, mais il est dans la vingtaine des euros, là, vous savez. Préparez le Jackdaw. Mais il n'a pas de démo disponible, ça c'est dommage. Mais bon, à mon avis, il doit être bien le jeu. Mais enfin, j'aurais préféré tester la démo avant. Comme pour Ghost Recon, quoi. Mais... Éviter de me faire carotte. Alors, du coup, maintenant qu'on a fini tout ça, est-ce qu'il y a encore un contrat? Ouais, il y a encore un contrat. Alors, on va se déplacer rapidement. Hein. On va aller le prendre. Metro Exodus, peut-être après BF5, je vous le proposerai, hein, si je le prends, bien sûr. On verra. Il y a plein de possibles batailles. Il y a plein de... d'opportunités à saisir. Bref. Alors... On dirait que t'as besoin d'aide pour te faire oublier, toi. La tanière des contrebandiers. Donc, à tous les coups, il faut aller dans une grotte, là, je parie. Alors apparemment, salutation corsaire, c'est difficulté max. Ouais. Salutation corsaire, c'est un jour sombre pour la liberté. L'un de mes magasins situé, il est vrai, dans une ancienne tanière de contrebandier et victime du blocus. Tu vois, il y a des blocus aussi à cette époque. Du blocus d'une flotte espagnole. J'espère ardemment que grâce à vous, mes marchandises pourront échapper à ces oppresseurs signés Milo van der Graaf. Il y a pas mal de trucs sympas, oui.
Du coup, donc on va accepter, hein, on va accepter le contrat, hein, on va pas faire n'importe quoi. On va recharger les munitions. Alors, commerçage. Munitions. Projectiles de mortier. Tac, bon, il m'a manqué un, mais bon. Ah, et les boulets explosifs aussi. Allez hop. On est full. Comme ça, au moins, on est tranquille. T'as trouvé des jeux qui t'intéressent, Keops ? Alors, il y a Dirt Rally. Pas mal. WRC 8, mais bon, ça, je sais pas s'ils ont développé le mode carrière. Parce que sur WRC 7, c'était pourri le niveau de la carrière. C'était pas assez développé, je trouve. C'était nul. Et beaucoup trop. C'était nul. J'ai pas trop aimé le mode carrière de WRC 7. Il y a WRC 8, donc il est à une vingtaine d'euros aussi. T'as Grind, t'as Metro Exodus. Moi, je parle en jeu intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, je sais plus. Je sais plus. Dirt Rally. Dégage, tu vois pas que je vais là ? Reste à bonne. Comment ça, tu m'attaques ? J'ai pas le temps, vous êtes des rigolos. World War Z, King Heart Integral, Erika Yakuza, Dragon Crown, Pro et Resident Evil Révélation. Moi, bof, Grind, mais je pense pas pouvoir le faire en live. Sinon, Dirt Rally, mais c'est pareil, donc voilà, sinon les autres jeux. D'accord, Warlocks. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce... C'est un manoir, ça? À tous les coups, ça n'est un. Mais il y a beaucoup de bateaux ici. Bonjour. Alors, je vois qu'il y a la famille. On va ralentir le pas. Ralentis. Voilà. Allez. C'est parti. On va seul, capitaine. Prêt à faire feu, capitaine. On est paré, capitaine. Ouais. Un jeu de QTE, QQQATE. Oula. Alors apparemment il y a... Ouh, ouais. Non, là ça va faire mal. Là. Alors attends. Concentrada. Enfin, ça va faire mal si je fais n'importe quoi. Alors toi tu es une cible prioritaire. Allez hop. Dégage. Voilà, toi tu dégages, ça c'est une bonne chose de faite, toi tu dégages. Voilà. Là-bas, il y a encore un navire qui fait le mariole, alors attends, ne bouge pas, où tu es? Tu es là. Allez hop. Tout le monde y passe. Où est l'autre navire? Voilà, c'est les jeux de voiture, on me dit. Ouais, bon, après il joue à ce qu'il veut, hein, mais bon. Du coup, il y a encore un... Ah, Bandour! Ah, je vais pas gaspiller un mortier pour toi, c'est ridicule! Il tire une bordée, attention! Attention au choc! Attention, capitaine! Merci de ta coopération, mais salut! Oh, capitaine, on ne reste que des planches! Monsieur, tu étais bloqué! Tiens! Écarte-toi, ou il va nous réduire en poussière! Contre-toi, les ennemis! Bon! Ton point faible! C'est là qu'il faut tirer! Bon! Prêt à faire feu! Bon, allez, encore une petite, voilà, hein. Et je parie que, voilà, Bandour. Il est pas terrible. Alors, je finis ce navire de rigolo. Oh, il fait mal lui. Ouais, bien sûr, dans l'eau. Mais quel viseur ce bateau. Il est explosé. Faut pas laisser passer l'occasion. Là, capitaine. Allez, là, tu dégages. Ah, il y en a un autre. Mais t'es sérieux le jeu. Je vais vite aller en aborder, hein, parce que ça pue. Ah, très honnêtement. Si on touche là, il ira pas au fond. Canon paré, capitaine. Gardez les huniers. Allez, on va l'aborder, on va réparer le navire, parce que ça pue un peu.
Il est un peu cher Sekiro, ouais, 49 euros je crois encore, ou 45, un truc comme ça, comme si, si je me rappelle bien. Il y a les Dark Souls aussi pour ceux qui les ont pas, c'est pas excessivement cher. Bon, après il faut aimer la difficulté. Ouais, ça sert à rien le canon, il a eu beaucoup de succès, c'est pour ça. Ouais, c'est un peu comme... là, c'est un peu comme... comment s'appelle le jeu Detroit Become Human. Il a été cher pendant un moment parce qu'il a eu énormément de succès, comme Spider-Man d'ailleurs. Oula. Monsieur, tu te calmes. Allez. Tu feras petit, toi. L'allié, lève-toi du milieu, tu sers à rien en fait là. Et allez, c'est bugué. Mets des piles. Et voilà, c'est tout bugué. Et tu dégages. Et bim. Et tu dégages aussi. Et tu bouges. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Tu n'es pas content dans ta vie? Tu veux des piles? Et toi aussi. Va regarder si je suis ailleurs. Badalalam, 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 bam bam bam. C'est la guerre. Bim, tu dégages. Je l'ai tué. Allez, dégage. MDR sur la rampe. Sur la troisième rampe. Bim, dégage. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, le jeu il frise un peu là, ce que vous voyez. Allez, toi tu dégages. Là, je vois rien là. Tu te calmes. J'ai pas compris là ce qui vient de se passer. Du coup, là c'est bon, y'a plus personne. Là il y a le capitaine qui fait le mariole. L'homme invisible, ouais c'est ça. Alors c'était une cérémonie américaine. Edouard a l'air de bugger enfin, j'appuie. N'importe quoi. Il est mort, je l'ai poussé. Bim. Le capitaine qui fait le mariage, il est Tony. Bon, ça me fout un peu en fait. Alors MBR qui hop, c'est l'homme invisible comme Rogue, hein, tiens. Le capitaine qui fait le mariole. Eh là 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 là. C'est fini ou pas? Ah c'est fini. Ouais après je pourrais vendre le rhum que j'ai récupéré. Le rhum que j'ai récupéré, hein. Réparer le jack d'eau, oui on va le réparer parce que bon on a pris un peu cher là avec la frégate. C'est même pas le manoir qui m'a fait mal, c'est la frégate. Vous trouvez ça normal vous? Alors, l'autre bateau qui faisait le mariole il est où? Bon, va jouer au billes, dépêche-toi. Prêt à faire feu, capitaine. Ah t'en veux encore? Bah t'as plus pour toi. Voilà le renfort, capitaine. Allez dégage. Voilà. Est-ce que c'est bon? Non, ben non, forcément, hein, il faut m'envoyer toute la flotte. Capitaine,
faut viser. Voilà. D'ailleurs, pas mal d'anti-Kojima sortent que Kojima rage sur les notes aux USA parce qu'ils sont à fond sur les FPS en regardant le top 10. Hashtag Tonyo, tu bois du rub? J'ai pas dit rub, enfin, qu'est-ce que vous dites? Alors, on a fini le contrat naval, ça, c'est plutôt cool. Le navire là-bas, là, pourquoi? Pourquoi? T'as pas vu que je viens de couler 5-6 navires, là? T'as peur de rien? T'as bien nul! Tu veux du piment, c'est ça? Tu m'as pris pour un Mexicain avec le piment, c'est ça? Hein? Raté! Tout est bien en bas! Capitaine, si on touche là, il ira par le fond! On est presque. Écarte-toi! Ou il va nous réduire en poussière! Feu! Et là, enfin les deux, capitaine! Bon allez, salut. Je vais pas tous me les faire, enfin. Bah après, ça m'étonne pas, parce que aux USA, c'est vrai que les jeux les plus vendus, hein, c'est les FPS. Hein. Touche la toile, plus vite que ça. Plus de toile. Donnez plus de toile. Merde, pas... Vous voulez finir à la flotte? Bon, après, je pense que Kojima, il a passé ce cap-là de rager. Hein. Je pense qu'il est plutôt concentré sur faire des jeux, Kojima. Bon, après, c'est une question de point de vue. Ben, moi, honnêtement, moi, je suis lui, je m'attarderai même pas sur les gens comme ça. Alors... Parce que bon, il fait des très bons jeux, hein. Je veux un Silent Hill de Kojima. C'est des chasseurs de pirates. Je crois pas que ce soit d'actualité ce qui sort, monsieur Hobbs. Hein. Allez, ah, allez, c'est parti. Vous voulez jouer au Mario, y'a pas de soucis. Allez, voilà. Bim. Voilà, il a loupé la corde. Il a loupé la troisième corde. Bah, à mon avis, il s'est fait virer de Konami. D'accord. Voilà, j'ai pas vu lui. La démo pétée était très leur jouable de Silent Hill. Après, peut-être qu'ils pourraient reprendre Silent Hill avec d'autres développeurs, d'autres personnes. Allez savoir. D'autres vont lui acheter l'idée, je sais pas, on pourra travailler avec lui. Alors, dégage toi. D'ailleurs, peut-être un jour, tiens. Du coup, il y a quelqu'un encore? Oh oui, le monsieur, là, il se sent tout seul. Lui, il a spawn je ne sais pas d'où. Voilà, hein, tu dégages, bien sûr. Et toi aussi, tiens. Bousillez-le! Gangbang sur lui, tout monte dessus! La troisième corne! Alors, ça c'était... il m'en reste qu'un à faire, d'accord. Donc... Et on va réduire le niveau de recherche. Il ne peut pas, Silent Hill appartient à Konami, ils ne voudront jamais. Ah bah c'est dommage ça. Après peut-être qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente, hein. Après ça peut aller vite, hein. Alors réduire le niveau de recherche, oui. Histoire de pas trop être poursuivi, la cinématique on la connaît, on la passe. Ah oui, tu veux des perles. Du coup est-ce que c'est bon le, au niveau du fort là, j'ai tout fait ou pas? Ou pas? Ouais, il me semble que oui, tout est fait. Alors, on va se rentrer ici, Corozal. On a récupéré des choses qui permettront d'améliorer le navire. Mais Adiwale, il me manque les plans, enfin, tu te calmes. Plus de toile, toutes les voiles. Bon, la guerre navale, ça va 5 minutes. Mais je m'en fous maintenant. Allez, laissez-moi tranquille. Oui, tu m'as repéré, on s'est repéré. Ils sont allés au tribunal entre Konami et Kojima, donc bon, au niveau entente, c'est pas ça. Après, peut-être qu'ils peuvent trouver un nouveau terrain d'entente, hein, allez savoir. Tout peut aller vite, selon moi. J'ai vu des situations tourner assez vite. Ça m'étonnerait pas qu'ils trouvent un terrain d'entente. Sur bâbord,
Alors, baril explosif, on s'en fout, je veux me marrer. Rhum. Ender, ah oui, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même. Tissu plein, ça c'est cool, on s'en fout. Et rhum. Okay. Qu'est-ce que c'est cette île ridicule? Il y a des trucs à faire ici? Oui, le tribunal au Japon, ils ne font quasiment jamais ça. Allure! Caguez tout! Alors, caguez partout, on y va. D'ailleurs, j'adore quand Tonio. Tonio qui rum. Ah, tu là? Je rum, moi? Alors, qu'est-ce que c'est? Interaction, s'il vous plaît. Alors, nous venons de trouver une carte au trésor. Ah, là-bas, il y a un coffre là-bas. Comme quoi, le rhum whisky, dit. Hashtag Captain. Alors, on a trouvé une carte au trésor. Là-bas, nous avons un coffre. Hashtag Captain, voilà. Eh oui, c'est le retour de Captain. Il faut la bisuter un peu, là. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas le hashtag. Non. Le retour du Nawak, mais il a déjà été de retour le Nawak, t'as fait un live. Pardon, excusez-moi. Là-bas, nous avons... Je sais plus ce que c'est. Bonjour. Alors, c'est un plan, qu'est-ce que c'est ça? Manuscrit. D'accord. J'aurais préféré avoir un plan, mais on n'est pas dans Rogue, là tu te calmes. Chronicles Dos Fatos, j'ai pas eu le temps de lire, tu veux des piles. On va aller faire le point de l'observation, hein, pour pouvoir s'observer ou observer soi-même, bref. Ça fait déjà une heure qu'on est en live. Je vois pas le temps passer. Tout va bien. Alors, synchroniser. Brum. Brum. Allez, suicide. Non. Nous avons un fragment par MC. Tiens, on va aller le récupérer. On est à côté. Elle est petite, l'île, mais il y a des trucs à faire. Enfin, des trucs à récupérer, surtout. C'est un peu ridicule. Qu'est-ce que tu fais, Edouard? Je comprends pas. Là. Alors, allez. Dépêchez-vous. Ensuite, nous avons une bouteille. Ah, une taverne aussi, carrément, ici. Ah bon. Mais qui c'est qui vit ici? Alors les courriers, les lettres, là pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais pas les lire parce que des fois ça spoil beaucoup de choses. Alors apparemment il faut grimpouille. Mais par où? Est-ce que tu grimpes? Non, là tu grimpes pas, t'es constipé. Moi je suis d'accord. Est-ce qu'il faut que je vienne avec le bateau ou je sais plus en fait. Ou peut-être avec l'arbre là, hein? Ouais voilà, réfléchis, hein. Si il y va bien sûr. Ouais il y va. Alors, on a récupéré tous les fragments d'animus qu'il y avait ici. Ah, je me suis fait mal. Ah, on a des contrats d'assassinat aussi. Et ici, on a deux coffres. Alors, au niveau de l'oseille, on est plutôt tranquille, hein, très honnêtement. Il est l'autre, il est là. Je suis passé devant, mais c'est... Non, mais vraiment, là? Il a plus de jambes, là. On va aller faire la taverne en espérant qu'il me donne réellement des informations, hein, bien sûr. Monsieur, parlez. Hein?
Je vais te poutrer la gueule. Oh. Ah, il lui a craqué la nuque, tu veux des piles? Et maintenant, information, s'il te plaît. Tout à fait. Ah, que,